descend des immunoglobulines. L'utilisation, ça. الواحد فانت راه كيمشي كيمشي كوا انا نزل Nous allons donc, si vous permettez, démarrer ce premier symposium de cet après-midi sur l'utilisation des immunoglobulines dans l'immunomodulation. Et tout d'abord, on va donner la parole à M. Mellouli, qui est professeur de pédiatrie, un grand immunopédiatre qui travaille dans le centre de greffe de moelle à Tunis et qui va nous faire part de son expérience concernant l'utilisation des immunoglobulines en hématologie. Alors, M. Mellouli, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, donc, merci encore une fois, Aziz, pour ton aimable invitation. Et je vais parler sur l'utilisation des immunoglobulines en hématologie dans leur effet immunomodulateur. Alors, comme vous le savez, les immunoglobulines sont toutes les protéines ayant une activité anticorps au niveau du plasma. Donc, selon les recommandations européennes, ces immunoglobulines polyvalentes sont préparées à partir du sérum de au moins 1000 donneurs sains. Les indications actuellement reconnues aux immunoglobulines sont de deux groupes, en fait. Les traitements substitutifs donnés dans les déficits immunitaires primitifs de l'enfant, et donc soit donc, une agammaglobulinémie de Bruton, par exemple, un déficit immunitaire commun variable, mais aussi les agammaglobulinémies autosomiques récessives, les SCID, donc en attente d'une greffe de moelle osseuse, ou donc un traitement substitutif au cours des déficits immunitaires secondaires à une LLC, par exemple. À côté de ce traitement donc substitutif des immunoglobulines, il faut citer l'effet immunomodulateur donc connu aux immunoglobulines et qu'on a l'habitude d'utiliser depuis les années 90, donc au cours du purpura thrombopénique idiopathique par exemple. Alors, au cours de cette conférence, on va se limiter aux indications d'immunomodulation des immunoglobulines. On ne va pas parler du problème de substitution. Et donc, comme vous le savez, ces vertus immunomodulatrices des immunoglobulines ont permis d'apporter beaucoup de solutions à beaucoup de pathologies, aussi bien en hématologie qu'en neurologie. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va parler de cela, en dermatologie, en rhumatologie, en infectiologie, etc. Alors, je vais essayer de répondre dans cet exposé à quatre questions. Quelles sont les quelles sont les principales indications immunomodulatrices des immunoglobulines en hématologie? Deuxièmement, comment rationaliser l'utilisation des immunoglobulines? On va voir donc que l'utilisation de ces immunoglobulines elle a explosé dans le monde. Et puis, quels sont les résultats de ces traitements et quel effet secondaire? Une blague pour en fait rappeler les mécanismes d'action des immunoglobulines polyvalentes. Donc, l'effet immunomodulateur des immunoglobulines va passer par le blocage et la modulation de l'expression des récepteurs Fc. En effet, dans le modèle de PTI, par exemple, on sait que le macrophage splénique il va exprimer donc, le récepteur Fc et les plaquettes sensibilisées par un auto-anticorps, lorsqu'ils vont passer au niveau de la rate, ils vont être captés par le macrophage et ils vont être donc phagocytés à ce niveau-là. Et donner des immunoglobulines à forte dose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, entre autres, bloquer ces récepteurs Fc et les plaquettes, même sensibilisées par un auto-anticorps, vont continuer à circuler et donc à leur faire leur fonction, d'où l'effet bénéfique des immunoglobulines.
Deuxième mécanisme d'action, c'est la modulation du système de complément. Là aussi, donc lorsque vous avez un micro-organisme qui est, ou une cellule qui est donc sensibilisée par un auto-anticorps de type IgG, le complément peut venir directement donc liser cette cellule, et les immunoglobulines à forte dose, ils ont un effet modulateur sur leur système du complément. Demain, donc, comme autre mécanisme de immunomodulateur des immunoglobulines, il faut citer donc la modulation de la production de cytokines, la modulation de la prolifération de cellules et de l'apoptose, la neutralisation par leur effet donc anti-idiotypique. Les immunoglobulines peuvent se fixer sur des auto-anticorps et donc neutraliser leur effet auto-immun. Donc, le résultat donc étant une épargne cortisonique pour certaines maladies auto-immunes. Alors, je commence mon exposé par cette figure qui montre en fait la consommation mondiale en immunoglobuline. Et depuis 1986, donc la consommation mondiale, elle a explosé, elle augmente de façon exponentielle, si bien que donc elle est passée de quelques tonnes par donc d'immunoglobuline produite par an à plus que 100 tonnes d'immunoglobuline par an, et ce qui a exposé donc certains pays à des pénuries en cette substance qui est donc stratégique dans certains pays. D'où la nécessité de rationaliser nos indications, et pour cela donc on a classé les indications aux immunoglobulines pour leur effet immunomodulateur en trois groupes. Le groupe 1, il est fait par des indications reconnues aux immunoglobulines. Ces indications, donc, elles sont reconnues par les autorités compétentes. Ce sont toutes les indications où les immunoglobulines ont une autorisation de mise sur le marché ou une extension d'AMM ou au moins qui sont utilisées en ATU. Donc, bien sûr, ce sont des indications qui sont scientifiquement étayées, avec au moins donc, avec un bénéfice clinique démontré par au moins une étude randomisée probante, de bonne qualité et publiée sans contradiction ni interne ni avec des résultats des autres études de même niveau. Le groupe 2, il est fait par les indications pertinentes. Donc ce sont des indications où l'on vous conseille de donner des immunoglobulines, et elles sont basées sur des études cliniques non contradictoires mais de niveau niveau moindre. Le troisième groupe, il est fait par les non-indications ou les contre-indications. Ici, donc, c'est à chaque fois que vous avez donc une indication pour laquelle il y a des études cliniques qui sont donc pour et d'autres qui sont contre, donc qui sont contradictoires. Et je commence par les indications hématologiques du groupe 1, donc celles qui ont une AMM d'utilisation. Et l'exemple type, c'est représenté par les cytopénies auto-immunes. Dans le premier field, donc, est le purpura thrombopénique idiopathique. Donc, il est caractérisé par une demi-vie des plaquettes qui est raccourcie, par la présence d'auto-anticorps de type IgG qui vont être donc dirigés contre les glycoprotéines plaquettaires G2B ou GP3A. Et la conséquence, en fait, c'est qu'il y a au niveau du splénique, il y a une séquestration de ces immunoglobulines sensibilisées par des auto-anticorps. Sur ce schéma, donc, comme vous le voyez, donc, vous avez des plaquettes qui sont sensibilisées par des auto-anticorps qui vont être donc captées par des macrophages activés au niveau splénique, essentiellement par leur récepteur FC. Donc ces macrophages vont pas se limiter à une phagocytose de ces plaquettes sensibilisées par des auto-anticorps, mais il va y avoir d'autres phénomènes, donc telle que la présentation de l'antigène aux cellules CD34, lesquelles CD34 vont aider des B auto-immuns qui vont continuer donc à sécréter des auto-anticorps, antiplaquettes, et donc vous avez une boucle d'amplification des phénomènes. Les immunoglobulines à forte dose, vont agir donc à ce niveau-là en bloquant donc les récepteurs FC des immunoglobulines lorsqu'elles sont données, ces immunoglobulines à forte dose, mais aussi donc ce qui va permettre aux plaquettes de continuer à circuler même si elles sont sensibilisées par un auto-anticorps. Mais aussi ces immunoglobulines polyvalentes vont agir par leur effet idiotypique directement sur les auto-anticorps en les neutralisant, et elle va entraîner aussi donc des réactions cellulaires entraînant donc des modifications du profil donc CD4 donc avec un switch TH1-TH2. Alors, au cours de ce PTI, les immunoglobulines
Donc, il faut savoir que le purpura thrombopénique idiopathique est une maladie qui est généralement bénigne. Et souvent, on n'a pas besoin de traiter ces malades. Et le plus grand mal qu'on se donne donc, comme clinicien, c'est comment expliquer à un papa ou à une maman, comment donc, son enfant n'a pas besoin d'être traité. Et dans de rares cas, donc, il faut intervenir. Et les immunoglobulines peuvent être indiquées d'emblée. Donc, en première intention, c'est lorsque vous avez des taux de plaquettes qui sont inférieurs à 10 000 et que votre malade donc, il est susceptible de saigner. Et puis, surtout lorsque, à cette thrombopénie sévère, vous avez une participation des muqueuses, c'est-à-dire c'est un malade qui a eu des bulles hémorragiques endobucales, qui a une épistaxis de grande abondance ou surtout lorsqu'ils ont une hématurie. Dans ces conditions, il faut traiter. Et les immunoglobulines, ils ont l'avantage donc d'augmenter assez rapidement, dans les 24-48 heures, le taux de plaquettes, alors que les corticoïdes font moins bien sur donc, la rapidité d'augmentation des plaquettes. Les immunoglobulines donc, sont aussi indiquées à chaque fois que vous avez donc, un acte chirurgical à faire et que vous avez besoin d'augmenter rapidement vos taux de plaquettes. Pour le PTI aigu, les doses sont de 800 mg par kilo et par dose, éventuellement renouvelées à J2, J3, selon la réponse donc, et aussi bien clinique, donc les phénomènes hémorragiques, que sur le plan donc, comptage cellulaire de nombre de plaquettes. Et il faut savoir aussi que les immunoglobulines polyvalentes, dans cette indication, leur effet il est souvent donc, limité dans le temps et il n'est pas exclu, donc il est limité à 15 à 21 jours, il n'est pas exclu qu'on soit donc amené à redonner des immunoglobulines. Pour le PTI chronique, il n'y a pas de consensus sur l'utilisation des immunoglobulines dans cette indication. Les réponses, en effet, les réponses donc, prolongées sont rares. Et on peut être amené à indiquer des immunoglobulines au long cours chez un malade qui a un PTI chronique, dans les formes graves, qui résistent donc à tout. Et les doses sont ici de 400 mg par kilo et par dose, toutes les 2 à 8 semaines, donc selon la réponse donc, clinique, et pour avoir un taux de plaquettes supérieur à 20 000 par millimètre cube. Comme deuxième indication donc, du groupe 1, donc les indications, toujours dans le cadre des cytopénies auto-immunes, je cite l'érythroblastopénie auto-immune résistante au traitement corticoïde et immunosuppresseur. Ici, dans cette indication, l'efficacité elle va être jugée sur 1, l'augmentation du taux de réticulocytes, qui habituellement sont très bas, et surtout sur la baisse, voire même la disparition des besoins transfusionnels. On peut donc rapprocher à cette indication aussi donner des immunoglobulines polyvalentes chez les malades qui présentent une érythroblastopénie induite par un virus, le parvovirus B19, chez donc les patients qui sont immunodéprimés. Dans cette indication, il est inutile de poursuivre le traitement de plus de 2 cures si donc vous n'avez pas de réponse. Le protocole thérapeutique donc, au cours des érythroblastopénies auto-immunes résistantes est donc représenté par des immunoglobulines polyvalentes, 1 g par kilo, 2 jours consécutifs. Un traitement d'entretien est souvent nécessaire, donc il faut donner et redonner des immunoglobulines donc, à des intervalles plus ou moins réguliers. Et le rythme des injections d'immunoglobulines va être décidé en fonction de l'évolution des paramètres biologiques et surtout donc pour avoir un taux d'hémoglobine supérieur à 9 g par décilitre. La troisième indication donc de groupe 1 des cytopénies auto-immunes est représentée par les neutropénies auto-immunes. Le diagnostic il est fait souvent donc c'est un enfant de moins de 4 ans qui présente une agranulocytose avec des PNL qui sont inférieurs à 500 et souvent donc ce sont des malades qui ne font pas de grosses infections, mais ceci n'est pas toujours la règle. Cette situation donc, est souvent donc, spontanément régressive, dans 9 cas sur 10. Chez l'adulte, cette maladie est rare et elle s'accompagne souvent d'une hypogammaglobulinémie et ou de stigmates de lupus érythémateux disséminé. Et ici, donc, l'efficacité des immunoglobulines elle est démontrée, surtout dans les situations où vous avez une agranulocytose qui est compliquée donc, d'une infection grave, aussi bien bactérienne que fongique, ou si vous avez un échec du GCSF, donc du colony factor, granulocyte colony stimulating factor. Les doses sont de 1,5 à 3 g par dose totale, donc réparties en 2 à 5 jours.
On peut donc rapprocher à ces cytopénies auto-immunes les syndromes anticoagulants acquis par auto-anticorps. Ce sont des situations cliniques et biologiques qui sont caractérisées par donc, la présence dans le sérum d'un auto-anticorps dirigé contre donc, les facteurs de la coagulation chez un patient qui, par ailleurs, en fait, n'a pas de trouble de la coagulation. Donc ce sont des maladies acquises. Et comme donc, le premier exemple de ces syndromes anticoagulants acquis par auto-anticorps, je cite l'hémophilie acquise auto-immune par auto-anticorps antifacteur 8. C'est donc la maladie la plus fréquente dans ce groupe d'affection. Ici, les immunoglobulines sont efficaces dans un tiers, voire un quart des cas, voire un tiers des cas. Et vont permettre rapidement l'apparition donc, d'une activité facteur 8 circulante. Le traitement d'offrande étant donc, basé sur l'immunosuppression, corticoïdes, cyclosporine, humurel, voire même anti-CD20. Et je cite donc sans trop de détails la maladie de Willebrand acquise. Comme indication hématologique du deuxième groupe, donc ce sont des indications pertinentes, c'est la maladie de style de l'adulte. Donc contrairement au style de l'enfant, chez qui donc, on sait que les immunoglobulines ne sont pas efficaces, eh bien, chez l'adulte, des études ouvertes portant sur un petit effectif suggèrent une efficacité, du moins au court terme, donc chez l'adulte. Et je cite là deux études, celle de Permal. Sept patients réfractaires, donc ils ont une maladie de Stiles, réfractaires aux AINS, réfractaires aux corticoïdes et l'association corticoïdes et méthotrexate. Ils ont reçu donc des immunoglobulines IV. Eh bien, tous ces malades étaient répondeurs objectifs à court terme. Et 4 sur 7 répondaient au long terme avec un recul moyen de 13 mois. La deuxième donc, étude qui est venue corroborer ces mêmes résultats est donc faite par de 7 patients. Qui tous avaient un style qui évoluait au moins depuis 3 mois, qui est résistant aux AINS seuls. Et ces malades avaient reçu des immunoglobulines sans corticoïdes. Eh bien, on avait une réponse objective dans un délai inférieur à 2 semaines, donc 5 fois sur 7. Et cette réponse était prolongée dans le temps, et dans 4 fois sur 7, avec un recul moyen de 26 mois. Deuxième indication donc, dans ce groupe 2, c'est les SAM, les syndromes d'activation macrophagique secondaires à une pathologie infectieuse. Comme vous le savez, donc, le SAM, c'est une entité clinico-biologique, anatomopathologique qui est caractérisée par une prolifération, donc lymphohistocytaire, avec donc, des images d'hémophagocytose et une phagocytose des éléments figurés du sang, avec comme corollaire donc, une pancytopénie. Les SAM secondaires sont des pathologies rares, mais elles sont souvent sévères, déclenchées par soit des infections, soit des hémopathies malignes, lymphome, mais aussi leucémie aiguë myéloïde, soit par des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Il faut savoir que le pronostic des SAM secondaires est souvent donc, mauvais, puisque 20 à 80% selon les séries des malades atteints donc, vont décéder. Le traitement du SAM secondaire est certainement étiologique. Mais dans certaines situations, on est dans l'urgence, donc pronostic du malade, et dans ces conditions que les immunoglobulines peuvent apporter donc, un plus. Toujours dans le SAM secondaire à une pathologie infectieuse, il y a en fait une étude rétrospective faite par le CEDIT à de la PHP sur 17 patients ayant reçu des immunoglobulines pour un SAM secondaire. Et dans cette étude donc, rétrospective sur dossier, on a observé une efficacité quand même de 78% des cas, donc ça rend service à certains malades. Et puis la réponse était rapide sur le plan clinique, avec disparition de la fièvre, et sur le plan cytopénie, donc dans les 8 jours. Il faut savoir que les immunoglobulines sont efficaces surtout dans les SAM secondaires à des infections à pyogène ou à virus, peut-être exception faite pour le BV, où on sait que les SAM induits par le BV sont de mauvais pronostics, et ce, quel que soit le traitement utilisé. Les modalités d'administration des immunoglobulines au cours des SAM secondaires à des pathologies infectieuses, c'est 1 g par kilo par jour pendant 2 jours. Si le malade présente une insuffisance rénale, donc on peut donner 400 mg par kilo et par jour pendant 5 jours, donc baisser un peu les débits. Alors, l'intérêt des immunoglobulines dans les SAM secondaires, je pense qu'ils méritent encore des études et des études d'évaluation sont actuellement en cours. Comme autre indication, donc dans ce groupe 2,
Donc, il faut savoir que ce groupe d'indications, il est caractérisé par la rareté des études, d'où donc l'impossibilité de trancher de façon claire quant à l'utilité ou la non-utilité des immunoglobulines dans ces indications. Et je cite là les syndromes des antiphospholipides, si inefficacité des anticoagulants, les anémies hémolytiques auto-immunes, si corticodépendance à haut niveau, corticorésistance ou donc traitement immunosuppresseur associé non effectif. La substitution aux immunoglobulines spécifiques varicelle zona, donc c'est une indication qui est passée du groupe 1 au groupe 2 récemment. L'avortement précoce récidivante, la prévention des infections chez les grands prématurés, la prophylaxie donc du rejet de greffe de rein chez des malades immunisés. Alors, les indications hématologiques du groupe 3, ce sont donc des indications non reconnues ou des contre-indications carrément. Et là, donc, je commence par au risque de choquer certains, c'est la prévention des complications infectieuses de la GVH chez les greffés en HLA géno-identique. J'ai le souvenir, lorsque j'étais un jeune interne donc à Paris, fin des années 90, on donnait de façon systématique des immunoglobulines, 500 mg par kilo et par semaine, les trois premiers mois. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des études préliminaires qui montraient l'effet bénéfique des anti-infectieux et contre la GVH de ces immunoglobulines. Par la suite, on a essayé donc d'évaluer cette attitude et une étude randomisée contre placebo a été faite pour des immunoglobulines à des doses donc augmentées de 50 mg, 250 et 500 mg par kilo et par semaine de J-7 à J+100. Et donc, les conclusions de cette étude, c'est que 1, il n'y a pas de bénéfice démontré ni sur l'incidence des infections chez ces malades, ni sur l'incidence de la GVH, et puis surtout, il y a une absence de différence statistiquement significative quant à la survie globale à 2 ans. À l'opposé même, donc, on a trouvé que dans le bras immunoglobuline, il y avait beaucoup plus de maladies véno-occlusives. Je pense que c'est dû à une augmentation de la viscosité due à l'administration de ces médicaments. Comme autre indication non reconnue ou contre-indiquée du groupe 3, je cite l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, la maladie de style de l'enfant, les infections ACMV compliquant des greffes d'organes, les leucémies aiguës de l'enfant en phase aplasique et le lupus érythémateux disséminé en dehors donc, des cytopénies associées. Bien sûr, je ne peux pas parler des immunoglobulines sans parler des différentes formes qui existent dans le commerce. Pour dire donc sur cette plaque, et seul c'est donc j'aurai que cette plaque, qu'il y a plusieurs en fait préparations qui existent dans le monde actuel. Elles sont globalement équivalentes. Aziz nous dira par la suite, donc à la fin de cette séance, laquelle choisir. Je ne vais pas m'hasarder à répondre à cette question. Sauf peut-être donc dans la production, c'est à partir d'un certain nombre quand même important de malades, de donneurs sains, pardon. Mais peut-être qu'il y a une différence dans la teneur en IgA. Et donc pour les malades qui ont un déficit en IgA avec des anticorps anti, donc IgA, peut-être il faut donner donc une immunoglobuline particulière, le gammagard de Baxter. Ces immunoglobulines polyvalentes sont le plus souvent très bien tolérées. Cependant, des complications peuvent survenir, dont certaines sont graves, telles que choc anaphylactique, mais aussi insuffisance rénale, méningite aseptique. Et donc, comme effet indésirable lié aux immunoglobulines, il y a donc des effets indésirables qui sont liés au début de perfusion. Ce sont des céphalées, des flashs, des douleurs ablombaires que l'on peut avoir. On voit chez un malade qui est sous immunoglobuline et elles sont dues le plus souvent à la vitesse d'administration des immunoglobulines. Il suffit de baisser la vitesse pour donc améliorer ces complications. On peut être amené à donner une prémédication par des antihistaminiques aux AINS donc pour prévenir ces complications. Deuxièmement, donc l'insuffisance rénale. Donc, elle est observée surtout lorsque vous utilisez des immunoglobulines qui contiennent du saccharose comme stabilisant. Ces effets indésirables, quand même, ne sont pas négligeables. Ça représente 7% de l'ensemble des malades qui sont sous immunoglobulines pour maladies auto-immunes. Les mécanismes, c'est une pénétration du saccharose dans les cellules tubulaires avec activation de phagolysosomes et libération d'enzymes cytotoxiques. Et sur le plan histologique, ça va entraîner une néphrose tubulaire osmotique.
Les patients à risque, donc tout le monde ne fait pas, heureusement, donc une insuffisance rénale lors de l'administration d'immunoglobuline. Et les patients à risque sont des malades qui ont déjà une néphropathie préexistante, les malades qui présentent une hypovolémie, et là j'attire votre attention, tels que les diabétiques, les sujets âgés, et surtout les sujets déshydratés. Donc avant de donner donc, des immunoglobulines polyvalentes, il faut voir l'état d'hydratation du malade et être sûr qu'ils sont bien hydratés, et voir, donc il faut les hyperhydrater ces malades. Mais aussi, donc, on peut voir ces insuffisances rénales chez les malades qui présentent une gammapathie monoclonale, une cryoglobulinémie, et qui sont traités par donc, des néphrotoxiques. Comme autre, la troisième complication donc, que l'on peut voir, c'est les méningites aseptiques. Elles vont survenir donc, le plus souvent entre les 6 heures et les 48 heures qui suivent la perfusion d'immunoglobuline. Elles sont dose dépendantes. Plus vous en donnez, donc, plus le risque de méningite aseptique est important. Et dans ces indications d'immunomodulation, donc, on sait que les immunoglobulines sont données à de fortes doses sur de courtes périodes, d'où donc la possibilité d'avoir cette complication. Donc les méningites aseptiques sont de l'ordre de 11% des patients qui sont sous immunoglobuline et ça représente 4,7% des perfusions d'immunoglobuline. Elle survient surtout sur des terrains particuliers tels que les enfants qui présentent un PTI, qui prennent pour la première fois des immunoglobulines à forte dose, surtout lorsqu'on les donne donc assez rapidement. Et je me pose la question si cette complication n'est pas sous-diagnostiquée et les céphalées et les nausées que l'on voit donc habituellement après l'administration d'immunoglobuline, elles ne représentent pas des formes atténuées donc de méningite aseptique. Les réactions d'hypersensibilité, je passe rapidement. L'hémolyse, donc quelques cas d'hémolyse habituellement légères sont décrites. Elles sont dues à la présence d'anticorps anti-A ou anti-B. L'hyperviscosité, donc avec un risque de thrombose dans 3% des cas. Et puis, les immunoglobulines peuvent modifier certains tests biologiques, tels qu'en augmentant de façon artificielle la VS, la positivation transitoire de certaines sérologies, et puis elles peuvent entraver l'action des vaccins. Je termine par le risque infectieux. Comme tout dérivé du sang, donc, les immunoglobulines peuvent transmettre les virus de l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV, le prion. Et donc ce risque n'est pas nul, bien que donc, on nous dit que dans la production de ces immunoglobulines polyvalentes, il y a une certaine sécurité donc, apportée par la technologie. Alors, en conclusion, les immunoglobulines IV sont efficaces dans de nombreuses maladies auto-immunes et inflammatoires. Leur mécanisme d'action est multiple. Leur utilisation actuellement elle est exponentielle dans le monde, d'où la nécessité de rationaliser leur utilisation. Plusieurs préparations existent sur le marché, elles sont globalement équivalentes. Il existe des effets indésirables non nuls qu'on peut éviter par une préparation adéquate du malade et en donnant un débit de perfusion faible. Reste bien sûr le problème de leur coût qui est très élevé. Je vous remercie. Merci, si Fathi Mellouli, pour cet exposé très simple. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à monsieur le professeur Rafaï, du service de neurologie, le CHU de Bnerojt, pour nous parler de l'utilisation des immunoglobulines en neurologie. Et tenez-vous bien, cette conférence va être faite en langue arabe. À vous la parole, monsieur Rafi. Il est quelqu'un, monsieur Rafi. Je me rattrape. Chokran Saad, c'est Raïs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Badi Adi Bad'in. Uridu an ataqaddam bi shokr al-jazil li taqam al-munaddim li hadih al التظاهرة الطبية الناجحة لأن تتطرق لموضوع مهم جدا الطاقم الطبي من اختصاصي أمراض الأطفال وعلى رأسهم الأستاذ أحمد عزيز والأخ الكريم بصفيحة لما يقوم به من مجهودات في تطوير هذا النوع بالضبط من التخصص وفي تعريب علوم طبية ويكون لي الشرف أن أقدم هذه المحاضرة باللغة العربية اللغة الأم والأصل
وفي نفس الوقت ساتطرق لبعض الكلمات بالإنجليزية من أجل تسهيل فهم بعض المصطلحات. إذن بدون تأخير سأقوم بتفصيل بعض مظاهر أو دور الجلوبينات في أمراض الجهاز العصبي أو the use of intravenous immunoglobulin in neurological disorders or neuromuscular disorders. كما تعلمون جدا أن استعمال الإيمينوغلوبولين عرف تطورا كبيرا منذ سنة 1981 نظرا لنجاحه في علاج مرض من أمراض الدم والذي قد تطرقنا له في المحاضرة التي سبقتني. وبعد ذلك ظهرت عدة استطبابات للإيمينوغلوبولين in neurological disorders أو في أمراض الأعصاب، سواء الأمراض الجانبية the peripheral neurological disorders أو في أمراض الجهاز العصبي المركزي or the central nervous system disorders. ومن بين الاستطبابات المعروفة حاليا في ميدان طب الأعصاب هو الجيلان-باري سيندروم الذي كان أول أو متلازمة الجيلان-باري سيندروم الذي كان أول مرض استفاد من تعميم الإيمينوغلوبولين في طب الأعصاب والذي استفاد منه هذا المرض بشكل كبير حيث نعلم بأن مرض الجيلان-باري هو من الأمراض التي قد تؤدي إلى موت صاحبه إن لم يعالج بطرق الإنعاش أو بطرق أخرى. من الاستطبابات المعروفة الأخرى هو بعض الأمراض المزمنة للجهاز العصبي الجانبي قبل أن تظهر استطبابات جديدة أو في طور تعريف وهي الألزايمر ديزوردرز أو الألزايمر ديزيز أو مرض الخدران أو داء الغفوة الناركوليبسي. ونعلم بأن في مرض طب الأعصاب هناك عدة مرضى من يعانون من داء الغفوة أو الناركوليبسي وهو الإحساس بالنوم الشديد أو بالرغبة في النوم الشديد. وهذه الفقرة تبين مدى تطور علم طب الأعصاب وتطور الاستطبابات لهذا العلاج والذي قدم شيئا كثيرا في هذا الميدان. المشكلة في طب الأعصاب هو أنه في بعض الحالات هناك ندرة لبعض الأمراض وهذا يفسر قلة بعض الدراسات المعمقة أو الكبيرة التي يمكن اعتمادها في تأكيد فعالية الإيمينوغلوبولين في تلك الأمراض. مثلا أمراض داء الغفوة هو مرض قليل جدا ناركوليبسي يتم استعماله in the case report أو case series لكن لا يمكن تأكيده كما قد تم تأكيد فعالية الإيمينوغلوبولين في الجيلان-باري سيندروم. ثانيا هناك تأثير عابر للإيمينوغلوبولين in neurological disorders وهذا يفسر تردد بعض الأطباء في استعماله نظرا للموقف الثالث وهو الثمن الباهظ للعلاج وهو مشكل كبير في بعض الأمراض الجهاز العصبي التي كم سنراها ستتطلب علاجات متواصلة كل شهرين أو ثلاث أشهر. لن أطيل في الأنواع لأن الأستاذ أحمد عزيز بصفيحة سوف يتطرق لأنواع الإيمينوغلوبولين والأفعال الجانبية والاستطبابات بصفة عامة. إذن وعلى رأي هذه الأفكار يجب التأكيد على أن العلاج بالجلوبينات في الجهاز العصبي يجب أن تخضع لعدة مراحل أساسية. الأولى هي قبل قرار العلاج before the treatment we have the good diagnosis يجب أن يكون التشخيص صائبا أولا والتشخيص في أمراض الجهاز العصبي إما سريري بيولوجي أو كهروفيزيولوجي for the peripheral nervous system disorders أو the imaging in the central nervous system disorders بالأشعة في الأمراض المركزية أو بالتخطيط الكهربائي للأعصاب في الأمراض الجانبية. ثانيا يجب مناقشة الاستطباب العلاجي للجلوبينات المناعية وثالثا مناقشة ما هو الهدف وكل هذه الأفكار من أجل
تقنين استعمال الإيمونوغلوبولين خاصة وأن ثمنها باهظ، إذن يجب تخصيص الإيمونوغلوبولين للأمراض التي تستلزم هذا العلاج وليس استعمالها في الأمراض of the second line or the third line treatment. من أجل ذلك نعتمد بصفة عامة على ما يقال التصنيف، تصنيف لدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، وكلكم يعرف هذه التصنيفات the evidence classification or the rating of recommendation، تقييم التوصيات، من أجل الاعتراف بنجاعة هذه الإيمونوغلوبين في هذا الداء من أي صنف ومن أي rating recommendation. كما ترون in this slide هناك أقسام من صنف واحد، أقسام من صنف ثلاثة، فمثلا من الجيلان-باري سيندروم أو the CIDP الكرونيك انفلاماتوري ديميتين نوروباتي هم مؤطرون في الصنف الأول، بمعنى هناك فعالية مؤكدة ويجب اعتماد الإيمونوغلوبولين as the first line من الدورة الأولى في علاج هذه الأمراض. من جهة أخرى نرى أن بعض الدراسات تؤكد في بعض الأمراض like the paraneoplastic syndrome أو المتلازمات المصاحبة لبعض الأورام هناك من الدرجة الثانية الثالثة أو الرابعة، ومن جهة ثالثة توجد بعض الاستطبابات في طب الأعصاب ولكن معتمدة على تجربة شخصية as the case report or case series studies. من أجل ذلك اعتمدت على بعض المراجع الراهنة وفي بعض النشرات المعروفة من أجل التطرق في الأول إلى الاستطبابات الكلاسيكية التي أكدت فيها الإيمونوغلوبين فعاليتها، وأولها هو الجيلان-باري، رغم أننا ننسى دائما ثالث شخص اكتشف الجيلان-باري وهو ستخول، ولن أمر دون التعريف بستخول الذي يعتبر ثالث مكتشف لهذا المرض الذي يجب أن نتطرق له دائما عندما نذكر جيلان-باري سترول سيندروم أو متلازمة الجيلان-باري سترول. فائدة العلاج في الجيلان-باري سيندروم تأكدت عبر دراسة شاسعة عام 1992 من الصنف الأول، ونعلم أن الجيلان-باري سيندروم يتميز بظهور وهن عضلي weakness in distal lower limbs في الأطراف الأقدام، وينتشر إلى اليدين صعودا وينتشر بعد ذلك إلى الجهاز التنفسي and the respiratory failure، وقد يلتجئ المريض إلى الإنعاش وقد يكون سببا في موته. وبالتالي تأكيد فعالية ونجاعة الإيمونوغلوبولين في هذا المرض تؤكد ضرورة استعماله as the first line أي من الدورة الأولى في العلاج. بعض الأمور الأخرى التي تأكدت في علاجه هو أنه من الأحسن أن يعطى جرعة واحدة، هل من الأحسن إعطاء جرعات قوية؟ لا، إذن لا يجب إضاعة الإيمونوغلوبولين، هناك جرعة معروفة 0.4 جرام كيلو بار جور فور دايز. ثانيا هل يجب إعطاء جرعة ثانية من الإيمونوغلوبولين in the Guillain-Barré syndrome؟ إن كان خلال 30 يوما فهو ممكن، إن تعدت 30 يوما فهو إضاعة للمال وإضاعة لهذا العلاج. ماذا أكدت علاج الجلوبولينات المناعية في الجيلان-باري سيندروم؟ هو أنه تمكن من تقليص مدة الإنعاش أو من تقليص مدة الوهن العضلي عند هؤلاء المرضى. ما هي الاستطباب الثاني in the classical indication؟ وهو الالتهاب العصبي المتعدد المزمن المزيل للميلين or the CIDP the chronic inflammatory dominating neuropathy، وهو مرض يشبه الجيلان-باري من ناحية ظهور الوهن العضلي أو الفشل العضلي، لكن هناك خاصيات وأنه مزمن أي أن تدهور الحالة الصحية للمريض تزيد على 4 أسابيع من ظهور أول علامة. ثانيا أن الوصول إلى قسم الإنعاش هو أقل، لكن المشكل في CIDP هو أن اللجوء إلى العلاج لا يكون بجرعة واحدة. It's not once.
In CIDP, we must have every 2 month treatment. يجب أن يكون هناك علاج كل شهرين أو 3 أشهر مما يكلف المريض علاجات باهظة وبالتالي تم النظر في علاجات بديلة في هذا المرض وهي الإيمينوسوبريسيف أو الكورتيكوثيرابي الكورتيزون الاستطباب الثالث من الناحية الجهاز العصبي الجانبي هو ملتيفوكال موتور نيروباتي أو الاعتلال العصبي المتعدد المواضع مع وجود تعذر أو إيقاف في التوصيل العصبي وهذا المرض هو من الأمراض العصبية التي استفادت من ظهور الإيمينوغلوبولين لماذا؟ لسبب واحد لا لأنه يؤدي إلى الإنعاش أو إلى الموت لكن لأنه يعطي فشلا مهما في الأطراف خاصة في الأطراف العليا للمريض ثانيا وهو النقطة المهمة هو أنه لا يوجد علاج غير الإيمينوغلوبولين وثالث مسألة وأن الكورتيكويد ممنوعة في مثل هذا المرض الكورتيزون no steroid for this disease والعلاجات البديلة الأخرى لم تثبت نجاعتها بطريقة كافية من أجل استعمالها as the first line أو في الدورة الأولى لهذا العلاج ويطرح مشكل الإيمينوغلوبولين in the multifocal neuropathy رغم حدة المرض هو استعمالها بطريقة مسترسلة ومتواصلة طول حياة المريض المثل الرابع وهو ميستينيا جرافيس أو الوهن العضلي الوبيل وهو مرض للسيالة العصبية It's the junction, neuromuscular junction disease حيث يوجد مشكل ما بين التواصل الأسيتيلكولين ما بين النهاية العصبية للعصبون والعضلة مما يؤدي إلى ظهور وهن عضلي متغير fluctuant متغير طوال اليوم أو يتزايد مع المجهود العضلي ويسترجع المريض قوته مع الراحة هذه هي تعريف الميستينيا جرافيس والميستينيا جرافيس من الأمراض التي قد تؤدي إلى موت المريض بشكل فجائي أو اللجوء إلى طرق الإنعاش بشكل عام مما يؤكد ضرورة العلاج بطريقة سريعة في هذا المرض ومن بين العلاجات بالإضافة إلى الكورتيزون أو بالإضافة إلى العلاجات الأخرى للإيمينوسوبريسيف هناك الإيمينوغلوبولين التي أكدت نجاعتها وبطريقة مماثلة مع البلازما إكسشانج أو التبادل البلازمي في هذا المرض الحالة الخامسة وهو The Inflammatory Myopathies أو إمراض الالتهاب العضلي التي نعلم بأنها تصنف إلى 3 أقسام بشكل عام رغم أن هناك تغير in the classification of inflammatory myopathies حاليا وهي الديرماتوميوزيتيس بالوميوزيتيس and the inclusion body myositis وفي 3 حالات يمكن التأكيد على أن استعمال الإيمينوغلوبولين هي من الدورة الثانية أو الثالثة أو في بعض الحالات الحادة بمعنى لا يمكن استعمال الإيمينوغلوبولين in the inflammatory myopathies as the first line of treatment لكي لا أتأخر مع فوات الأوان سأمر مباشرة بعد هذه الإنفلاماتوري مايوباتيز أو التهاب العضلات إلى other indication إذا تطرقنا للاستطبابات الأساسية للإيمينوغلوبولين in neurological disorders وسأتحول إلى بعض الاستطبابات الغير معتبرة من الاستطبابات الأساسية لكن أكدت نجاعتها بالنسبة للتطبيقات وبالنسبة للمباشرة الطبية السريرية
عند هؤلاء الأمراض. ومن بين الأمراض التي أكدت رغم عدم ثبوتها في الاستطبابات الأساسية هناك ستيفمان أو ستيف بيرسون سيندروم أو متلازمة ستيفمان سيندروم، والذي يتميز بظهور علامات سريرية معينة عند المريض مثل التشنج أو التصلب المحوري، والذي يكون مؤلما the painful spasm، وهو ناتج عن مرض في السيالة العصبية لكن ما قبل العضلي، وهو خاص ويختلف عن الميستينيا جرافيس أو مرض الوهن العضلي الوبيل. هو أن مرض الوهن العضلي الوبيل هو post synaptic and Stiffman Person syndrome it's pre synaptic disease. وقد أكدت الدراسات الطبية نجاعة الإيمينوغلوبولين في هذا المرض، وهنا نرى طريقة التصلب المحوري عند المريض or the painful spasm axial stiffness and for this we called stiff person syndrome، وهو تشنج مؤلم. وقد أكدت الدراسات نجاعة الإيمينوغلوبولين في هذه الحالات بالإضافة إلى العلاجات المتعارف عليها في هذا المرض مثل الكورتيزون والباكلوفين والفالبروات دو صوديوم وعلاجات أخرى. من بين العلاجات التي أو الأمراض الجهاز العصبي التي استفادت من نجاعة الإيمينوغلوبولين هي متلازمة لومبريتان سيندروم، وهي متلازمة تصاحب الأمراض الوخيمة أو السرطانية وخاصة مرض السرطان ذا الخلايا الصغيرة للصدر، ويعتبر هذا المرض من الأمراض التي تتطور بشكل للأسف حاد أو تؤدي إلى موت المريض. وبالإضافة إلى نجاعة الإيمينوغلوبولين في هذه الحالات فيجب علاج المريض من ورمه الأصلي أو من علاج سرطان المصاحب بالإضافة إلى الكورتيزون أو علاجات أخرى. نمر الآن بعجالة إلى الأمراض الجهاز العصبي المركزي، ولا يمكن أن نتطرق وهي من العلاجات أو الاستطبابات الحديثة في ميدان طب الأعصاب، وهي الملتيبل سكليروزيس أو التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي، وحاليا نسميه بالتصلب المتعدد، والتي نعلم بأن هناك عدة أشكال of multiple sclerosis or form diagnosized form of multiple sclerosis، وهو مرض يهم المرأة بصفة خاصة ومن سن صغير، بمعنى في ذروة of activity أو نشاطها الاجتماعي والعملي. وبالتالي التأكيد على ضرورة علاج هؤلاء المرضى بطريقة ناجعة وبطريقة سريعة من أجل تمكين المريض من استعادة طاقته السريرية في أحسن الظروف. ويجب التأكيد أن علاج الملتيبل سكليروزيس أو التصلب المتعدد هو بالإضافة إلى علاج المظاهر الحادة ريلابسين ريميتين، يجب إعطاء هذا العلاج في حالات خاصة وهي الحالات الانتكاسية الحادة التي لم يعطي دواء الكورتيزون الانترافينوس كورتيكوستيرويد ثيرابي علاجا أو نجاعة في تخفيف معاناة المريض. لن أتطرق للأشكال العامة للمولتيبل سكليروزيس، لكن سأمر إلى بعض الاستطبابات الحديثة والهامة في ميدان طب الأعصاب قبل أن أختم. وهذه الاستطبابات أولها هو متلازمة دوفيك سيندروم، وهي المتمثلة في ظهور شلل عضلي أو اندثار للبصر عند المريض بطريقة حادة، سواء بطريقة متلازمة أو بطريقة متفرقة، بمعنى يمكن أن نأخذ مثال شلل نصفي للمريض وبعد ذلك يظهر ضمور في البصر عند المريض، مما يجمع متلازمة دوفيك
سيندروم وهو مرض أشد حدة وصعوبة from the multiple sclerosis. وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة العلاج السريع لهؤلاء المرضى خاصة أنه يمس بالبصر. The functional option of this patient, so we must treat rapidly this patient before losing their optical nerve. هنا فقط تذكير بأوجين ديفيك. الاستطرابات الجديدة والتي تفتح الأمل في ميدان طب الأعصاب، خاصة أننا نعرف أن طب الأعصاب يتميز ببعض الأمراض المزمنة في غالبية الأحيان، والتي كنا نقول في الأول بدون علاج، والآن هناك علاجات كثيرة. ومن بين هذه الاستطرابات التي يمكن أن تظهر لكم بأنها غير طبيعية هناك الألزايمر ديزيز. الألزايمر ديزيز حيث تمت تجربة عند بعض المرضى بإدخال الإيمينوغلوبولين لمدة 3 أيام أو 5 أيام لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر، وقد تمت ملاحظة تحسن في القدرات الإدراكية in the cognitive impairment in this patient. الاستطباب الآخر هو البوست بوليو سيندروم أو متلازمة ما بعد الشلل. The narcolepsy أو داء الخضار، وهو من بين الأعراض التي قد تظهر في البيسيد ديزيز في حالة أثر على الجهة المكلفة بالوعي. والناركوليبسي يمكن أن تكون بدون سبب، ويمكن أن تكون في أغلبية الحالات in the basic disease because now that we are in Mediterranean and we have most cases of basic disease in these countries. وفي النهاية أختم بالفيبروميالجيا، وأصدقائي في طب الباطني حاضرون يعلمون صعوبة علاج الفيبروميالجيا in this patient. ومن الممكن أن يكون العلاج بالإيمينوغلوبولين من بين العلاجات الممكنة، ولكن هنا أنبه أنه لا يجب أن يكون العلاج بالإيمينوغلوبولين هو الوسيلة التي يمكن استعمالها بطريقة سهلة في كل الأمراض، ويجب تخصيصها للأمراض المزمنة أو الحادة التي قد تؤدي إلى وفاة المريض بشكل عام. وآخر استطباب is the stroke، السكتة الدماغية، بالإضافة إلى ما يوجد حاليا من علاجات ناجعة وحالية للسكتة الدماغية. الإيمينوغلوبولين تم استعمالها في بعض الحالات of stroke، لكن على عدد قليل من المرضى، مما لا يمكن من أخذها كعلاج قار بالنسبة لهذه الحالات. أختم محاضرتي بهذه الحالة الشخصية من قسم جهاز الأعصاب، وهو لحالة طفل كان مريضا وكنا نراقبه مع قسم مصلحة طب الأطفال، وقد تمكن من أخذ عينات من الإيمينوغلوبولين بمساعدة قسم طب المناعة للبروفيسور بوصفيحة أحمد عزيز إذ السوب كلافيا، قد تمكن من أخذ العينات من قسم الأطفال، وهذا من أجل إدخال هذه المعلومة الجديدة، وأنه في علم طب الأعصاب حاليا هناك دراسات ل 2016 تؤكد أنه عند مرضى الأعصاب سواء المركزية أو الجانبية يمكن استعمال سوب كوتانيوس أنترا immunoglobulin in the treatment of this disorder or switching from intravenous immunoglobulin to subcutaneous immunoglobulin. وأشكركم جزيل الشكر على انتباهكم.
شكرا للمحاضرين على محاضرتهما القيمتين. من وأرجو من الحضور أن نعطيو واحد الوقت للأسئلة. Deux questions pour les deux conférenciers. Une question par conférence. نظرا لضيق الوقت. سؤالي المحاضرة حول الأمراض العصبية. هل هناك بعض العلامات البيولوجية biomarkers توجه الطبيب إلى استعمال هذا النوع من الدواء في حالة أمراض المناعة الذاتية ديرماتوميوزيت سكليروز أون بلاك من المرحلة الأولى يعني؟ لا توجد أي دراسات واسعة النطاق large study of cohort من أجل أخذ biomarkers as indication biomarkers. هناك تطور كبير في البيوماركرز النيورولوجيكال ديزوردرز مثلا في داء العصبي المزمن سي اي دي بي. هناك تطور كبير في اكتشاف بيوماركرز اثنين من البيوماركرز التي تعطي توجيهات محدده وقاطعه من اجل استعمال الايمونوجلوبولين او غير استعمال الايمونوجلوبولين. وهناك الفوسين ان سي اي دي بي. If we have these biomarkers, we can't use immunoglobulin for the treatment. واظن هذه من بين التطورات الهامه من اجل الاقتصاد في مجال الصحه هو تطوير فعلا البيوماركرز. بالنسبه للتعدد للتصلب المتعدد لم هناك بعض الانتي موب الانتي انيمو لو سبيكتر انتي انيمو ولكن ليس بهذا التوجه القاطع كما وجدنا في السي اي دي بي. لان اكتشفنا بان في السي اي دي بي نستعمل الايمونوجلوبولين عند بعض النوع من الامراض من المرضى بدون نتيجه سنكرر الاستعمال بدون نتيجه. وفي الاخير هناك مجموعات من المرضى يجب تصنيفهم الى ثلاث مجموعات. If they have the two biomarkers you can't use immunoglobulin. If they haven't you can use the immunoglobulin with efficacy of the treatment. Deuxième question. Oui, c'est toujours au même sujet par rapport aux autres indications. Je ne sais pas si vous avez une expérience sur les encéphalites post-infectieuses. Nous, à Rabat, on a une très belle expérience, surtout les encéphalites dys-immunitaires, c'est une type d'encéphalite auto-immune, à anticorps anti-récepteurs NMDA, et qui n'ont pas répondu au premier traitement de première ligne, les bolus de corticoïdes, mais qui ont eu une bonne, très très bonne réponse aux immunoglobulines. Après une ou deux cures, ça dépend, on a eu deux malades qui sont venus sur un tableau d'état de mal convulsif, troubles profonds, ils sont aggravés sur le plan neurologique, en réanimation, ils sont sortis d'affaires après une surcure d'immunoglobuline. Donc il faut y penser, il y a certaines encéphalites post-infectieuses, plutôt dys-immunitaires, qui répondent très bien aux immunoglobulines. Merci. But we can use all-time immunoglobulin if we have some severe disease without improvement in classical treatment, I think. And the EMAD, you talk encephalomyopathy, post-infectious encephalomyopathy in child. I think it's a very good indication, but we haven't. It's not class 1 or A of evidence. S'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'on a une question pour le premier conférencier. Une seule question, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, monsieur Louis, moi, à sa case des immunoglobulines en hématologie. Je suis un peu étonné en tant que pédiatre, je ne parle pas beaucoup du problème.
Merci, M. Melouli, pour votre synthèse. Je suis un peu étonné que vous ne parliez pas, en tant que pédiatre, hein, que vous ne parliez pas de l'indication dans le Kawasaki, avec ou sans corticoïde. Oui, et que vous n'en parliez pas non plus dans l'ictère néonatal. On sait que c'est un peu introduit dans quelques recommandations. Merci. Donc, je me suis limité à des indications hématologiques, à la demande d'Aziz. Et puis, pour le nouveau-né, c'est vrai, il y a des... Oui, on peut utiliser ça dans cette indication. D'accord. Merci beaucoup. On a fini cette séance, très belle séance, sur l'utilisation des immunoglobulines. Et on va passer la parole directement à M. le professeur Aziz Bousfiha. Je pense pour l'inauguration de ce jour.